c'est une discipline qui est prometteuse pour le cas du Gabon. Il faut simplement que les jeunes s'investissent et il faut aussi que l'État y croie. Parce que je dis, il ne faut pas demander à une fédération comme la Lune de produire des champions alors que le basique, le minimum, il n'y a pas de piscine. Vous voulez que des gamins nagent où, dans quoi, dans quelles conditions? Vous voulez que les encadreurs soient formés où et comment? Vous allez même à Dakar à côté, vous avez des centres, on peut former, on peut accroître les capacités, mais les collaborateurs que nous avons, les maîtres nageurs qui sont ici, bon, ils se débrouillent tant bien que mal pour donner le bon geste aux gamins. Mais ça compte, ça, dans la production. Et aujourd'hui, 4 ans après, vous avez combien de licenciés? 4 ans après, nous sommes à peu près une centaine de licenciés aujourd'hui. 180, je dis, c'est pas mal. On a commencé avec une trentaine. Hein. Donc 180 pour une fédération enregistrée. Le gros contingent est à Libreville. Mais on peut encore faire mieux, je dis, si on a une ligue comme Port-Gentil, si on reprend avec la ligue de Franceville, si on a le bassin. Je pense que Franceville aussi, c'est un bon vivier. Hein. L'année dernière, on nous a amené quand même pas mal de gars hein, de Franceville. Donc, moi, je dis, c'est prometteur.